La consigne, c'est que je vais vous montrer un certain nombre de boules. D'accord ? À vous de me dire combien j'en montre. D'accord ? Simplement, je vais assez vite. Vous y êtes ? Oui. Voilà. Maëva, mais attends avant de répondre. Regarde-moi, Maëva. Alors, Maëva, combien de... 30. Comment tu le sais ? On va demander à Yannick, qui est à côté de Maëva. Il y en avait 30. Et comment tu sais qu'il y en avait 30 ? Parce qu'il y avait 3 lignes. Tout le monde est d'accord ? Oui. Oui. Une autre proposition. Alors, Lucas, combien j'ai montré de... 29. Tu as le temps de les compter ? Comment tu sais qu'il y en avait 29 alors ? Alors qu'il y avait 2 dizaines, et puis après, ça m'a dit 29, alors ça veut dire 29. Et tu as le temps de compter les 9 ? Non. Comment tu as fait alors ? Ça marche ? Oui. On y va, on en refait un. Morgane. 52. Comment tu sais qu'on est montré 52 ? Parce que t'as mis 5 lignes et t'as mis 2 petites lignes. Vous êtes d'accord ? Bon, on continue. Si je vous montre... Kevin ? 99. Alors, comment tu sais qu'il y avait 99 billes ? Parce qu'il avait 9 lignes, et puis ça en a enlevé une à la fin. Ce qui nous fait 99. 99, ça marche. Jusqu'à présent, notre boulier, ça représentait 1. Maintenant, ça représente 1. Ça représentait avant 100. Donc maintenant, la vision qu'on a du boulier, c'est 1. D'accord ? Vous y êtes ? Donc, je vous demande d'écrire ce que je viens de représenter. Comme tu veux. Alors, vos propositions. Fabio, qu'est-ce que tu me proposes ? 40. 40. Antoine, qu'est-ce que tu nous proposes ? 0,40. 0,40. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ? 4 sur 10. 4 sur 10, ou bien ? 40 sur 100. Ou bien ? 4 dixièmes. 44 sur 10, pardon. C'est 4 dixièmes. Autre proposition ? 40 centièmes. Bien. Alors, on peut regarder les propositions. Qu'est-ce qui peut être correct ? Qu'est-ce qui ne peut pas être correct ? Si on a dit que le boulier, c'était 1. Il y a une des propositions qui ne peut pas être comptable. 4 dixièmes, c'est 40. Pourquoi ? Parce que ça veut dire 40 unités quand on écrit comme ça. Oui. Si le boulier c'est 1, ça ne peut pas être 40. Oui. Voilà. Ensuite. Ensuite. Oui. Ni 0,40. Pourquoi ? Parce que c'est 40. Parce que non, c'est bon. Ah non, c'est bon. C'est bon, 0,40. Pourquoi est-ce que c'est bon ? C'est pas une unité parce qu'il y en a 4. Parce que, alors Joran. Ils ont mis 0,40 parce que 4 c'est l'unité et 0 c'est pour les centièmes. Donc 4 c'est pour
Les unités. Les dixièmes, voilà. Les dixièmes et le zéro pour les centièmes. Les centièmes. Ça, cette barre représente 0,1. Un dixième. D'accord. Donc deux barres. Deux dixièmes. Trois barres. Trois dixièmes. Quatre barres, quatre dixièmes. Alors maintenant, on va regarder les autres propositions. Quatre dixièmes, est-ce que ça te convient? Oui. Oui. 40 centièmes. Oui. Non. Alors oui. Pourquoi est-ce que ça convient? Bah parce que c'est comme 4 dixièmes, ça prend... Alors, parce que... Là, si on compte, là, c'est 1. C'est 1. C'est une unité, tout le boulier. Oui. Et puis, il y a... Puis, les partagés, on s'enroule, on peut dire. Oui. Et puis, du coup, on peut dire, puisque j'ai mis 4, ça fait 4 dixièmes, ou 40 centièmes, ça fait même. Donc là, ce que je tiens dans les doigts, qu'est-ce que ça représente? C'est 0,1 centième. 1. Un centième, puisque notre unité, on l'a partagée en 100. Donc si ça c'est un centième, ça c'est... Un dixième. Oui, mais combien de centièmes? 10. 10 centièmes. 40. Donc cette proposition-là est aussi correcte. Alors maintenant, 0,40. Est-ce que c'est correct ou pas? Oui. Pourquoi? Oui, donc on peut le dire est 0,40 centième ou bien 0,4 dixième. Donc ces trois propositions-là sont correctes. Parfait. Fabio, qu'est-ce que tu nous proposes? 0,97 centièmes. D'autres propositions? Clarisse? 97 dixième. 97 dixième. 97 centièmes. Ça, c'est un centième. Autre proposition? Oui. Autre proposition? Oui, si. Alors, Clément? 9 dixièmes plus 7 centièmes. 9 dixièmes plus 7 centièmes. Centièmes. Ah, ouais. Ça va?